vilakayhaiti.com, mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour tout le monde encore une fois. Et parce que nous avons des gens qui prennent le temps de l'information, qui prennent regarder vidéo ça demain, et ben, nous comptons avec vous et pas oublier. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés avec Chanel, c'est le moment même pour faire ça. Pendant que vous regardez vidéo ça, il y a une façon pour ne pas rater la prochaine vidéo. Nous ne pouvons pas parler trop de la vidéo ça parce que nous allons inviter à gagner information parce que la police, je dis à la, malgré la pluie a tombé, malgré le cyclone, eh ben la police pas hésité pour continuer. Donc, mettre bagay nan men divers soldats. Ils aujourd'hui à la si gorel kay makorel parce que soldat tombé. Oui, soldat tombé en pile nègre et mortellement blessé. La police en fait jackpot, mesdames et messieurs, sous chef gang Izo. Nous pral inviter ou en gen détail, nous pral inviter ou en konnen comment ça et tout dans département Latibonite lan, groupe gang Savien. Eh ben qui pote nos grand griffe, mesdames et messieurs, kap dirige par Lixon. Nèg yo continue à faire des ordres dans le département, nèg yo continue à mettre la vie moun en danger, mesdames et messieurs. Nous pourrons inviter ou à gagner tout détail n'aptoune. Même cas de question, la police qui toujours vigilant, qui pas dormi là, mesdames et messieurs, nous apprenons que la police saute vide cartouches sous plusieurs nan bandits, plusieurs nan moun qui dans village de Dieu. Puisque nous connaissons que village de Dieu pas gen innocent, eh bien la police saute si messique sous bonbon, plusieurs tours là. Évidemment, nous allons parler de ça. Côté que nous là, jeudi là, et quoi dit, hier dimanche là, pour ne pas dire parce que dimanche là, ça s'est fin passé là. Et bien, côté que la police font porter bouée encore une fois au niveau village de Dieu, nous, malgré intempéries naturelles, malgré cyclone, malgré pays en bas de l'eau, mais la police, au bord côté par où qui cémentait que son village là, faut qu'ils mettent le propre. Et bien, nous là, police là font porter bouée et angle d'intervention l'y changer sans qu'il ne parle pas trop d'explications. Mais pour le moment, on n'a pas eu là, il y a plusieurs morts en dedans village de Dieu. La police qui frappait là. Donc, il y a plusieurs morts qui arrivaient justement en Russie dans le cadre d'intervention. La police n'a pas eu plus de détails dans les minutes qui viennent. Qui a écrit nous, est-ce qu'ils sont là dedans maintenant? Nous allons voir du bagaille qui pour faire plaisir. Ils sont pas là. Et puis, nous avons bien souhaité là dedans tout. On nous avons bien souhaité ça. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mesdames et messieurs. Mais n'empêche, eh bien, oui, plusieurs non, individus ça a tombé. Et sincèrement, nous-mêmes, nous commençons content parce que, et m'a félicité la police, raison, c'est parce que, malgré tout problème qui gagne, monsieur, vous avez quitté le village là, hein, vous avez quitté rentrer le village là, mais n'empêche, vous êtes toujours là, à mener opération en quelque sorte, il y avait pour bandits, pas sauver, mais après que nous, justement, inondation, mesdames et messieurs. Bon, c'est très important ça. Voilà. Nous prenons juste répondre à ce que c'est ça pour vous. Et mesdames et messieurs, par rapport, nous voyons que justement, chauffeur camion, et hier soir, nous avons demandé nous, est-ce que finalement, monsieur, tu prends le bois caléen, est-ce que tu es tout ou pas? Eh bien, oui, de façon officielle, ça vient de nous là. Eh bien, il y a un jeune monsieur mort vif, il y a un jeune monsieur boulé, pour ne pas dire tombé là. Monsieur tombé, et dans la question, bandit qui a tombé à droite à gauche, je pense que c'est important que nous-mêmes nous avons information sur ça, étant donné que hier, nous avons parlé. Nous pouvons confirmer à 100% est-ce que l'individu a été pris dans le bois calé. Eh bien, là, c'est clair. Et nous sommes capables de tous les médias aussi de ça parler entre autres sous question bandit qui a tombé. Eh bien, je dis une apprentie qui est relative à village de Dieu. Nous connaissons village de Dieu qui est dans le collimateur et policier et qui est dans le collimateur et population en tout. Mais nous avons dit, nous beaucoup de cyclones qui vont réveiller d'Haïti là, nous avons environ 15 morts déjà, environ 8 dans le département de l'Ouest. Avec nous parlons au plus précision. Mais nous sommes là, pays d'Haïti, encore une fois, là, qui, jusqu'à présent, mouvement Bois-Caléen qui n'a pas campé, et bien nous connaissons des bandits qui ont porté des munitions et que la population a été interceptée. Et bien, vous voyez, M. Sanan, pays Saint-Japon, Bois-Caléen, et la police qui a frappé. Salomon, on continue pour plus de précision. Lionel, juste avant nous entrer avec en question, nous avons dit insécurité, quand il y a plusieurs monde qui sont tombés en bas là, la police en aux environs village de Dieu. Qui est relative à village de Dieu, nous connaissons village de Dieu qui est dans le collimateur et policier et qui est dans le collimateur et population en tout. Tout diaspora qui s'est souhaité, qui s'est prévu, prévu à ce que village de Dieu un jour, eh bien, nous sommes capables de conjuguer gang qui a évolué là-dedans, pendant des ISO 5 secondes, gang ça est capable d'anéantir. Et bien, nous la police qui plante des piquets là, dans le village, malgré tout, police au pas, j'en fais bac, ils ont toujours continué, et chaque jour,
yo a lancé des nouvelles frappes. Et bien jeudi, pendant jeudi dimanche là, la police justement frappé au niveau village de Dieu. Et bien côté que nous apprenons dans cadre frappe ça, et bien qu'il y a plusieurs morts dans village de Dieu. Et nous là, la police encore pas non seulement qui fait plusieurs morts, mais nous la police changer ang et opération ang et nous dit côté que la police qu'on a pénétré, nous elle a gagné bail nous parler de Jimmy par rapport avec pour nous pas stratégie la police, mais nous la police qui changer ang par rapport avec côté qu'on a porté bourré et nous elle en zone qui était plus près dernièrement, ces zones qui étaient plus frappé et il y a avance ça nous connaît cette zone. Bon, c'était beau. Et bien, qu'on y a là, et nous avons dit, on laisse frapper, c'est un jeudi dimanche là, qui fait état de plusieurs morts. Déjà, nous apprenons, il y a environ trois mouns mourir d'imi. Là, nous dit trois mouns mourir, trois éventuels bandits qui a tombé. Et là, nous dit bandits, c'est pas forcément monsieur qui a des âmes dans les yeux. Et il y a là aussi couverture fait pour bandits. Pas oublier, nous toujours connaissons, de pour être dans un village ou pas qu'à innocent. Parce que nous connaissons, souvent, les messieurs, ils vont rentrer avec un camion de jury, un camion de machine de jury kidnappé, ils ont détourné la population. Quel bel monde qui est là, toujours à battre bravo. Et les kidnappés, ils ont la population, quel bel monde qui est là, mais la population, parce que ce n'est pas trop. Ce n'est pas vraiment une centaine de monde qui est là, Dieu. Et pour moi, on n'a pas une centaine de monde, une centaine de monde qui est là, qui est là, comme peuple. Puis voilà, c'est maman bandit, c'est ses bandits, c'est madame bandit, c'est papa bandit. C'est des monde qui cautionnait sa mission à placer là, même plus de cette zone qui est environnée village de Dieu, tant qu'on cite plus, tant qu'on cette zone cité de l'éternel, c'est pas forcément tout le monde qui va dire, mais en dans village de Dieu, même dans le quartier général, tout le monde presque à 100% monde qui arrive là, tout ces bandits, et même si tout le paquet des âmes. Eh bien, la police fait plusieurs morts, plusieurs victimes dans le camp bandit là, plusieurs tombés. Jeudi, dimanche là, par rapport avec l'opération, la police continue à mener. Et la police qui font frappe là au niveau rue Joseph Janvier, et quand même, eh bien, déjà qui peuvent aller et plusieurs la vie et bandit. Voilà. Et puis nous connaissons que justement dans la même question inondation, notamment que le village est de l'eau, c'est chargé de l'eau. Et dans un village en tout, est-ce que nous avons plus de détails sur ça par rapport à que de l'eau qui était envahie et pour pas dire que ce soit village de Dieu, cité plus grand ravine, zone ça. Est-ce qu'il y a plus de détails? Bon, par rapport avec l'inondation et le cyclone qui a frappé le pays d'Haïti pendant le début du week-end, il y a une majorité de zones qui environnent le village de Dieu. Et par exemple, la rivière Boitien a été descendue, qui a envahi les zones et village là. Mais les zones qui peuvent se toucher pendant la zone qui est bandit ou habité, c'est Massan de ADB, zone santé et inondée également. Et il y a une cité de l'éternel, zone sans qui même gagne quelques gampinos sans qu'il la donne, le bas des cités de l'éternel, et zone sans inondée également. Donc, nous sommes capables de dire jusqu'à présent, gagne également une zone coq d'or qui inondée coq d'or, nous connaissons une zone qui gagne bandit la donne. Mais nous sommes capables de dire, pas forcément, tout le monde net dans la zone qui bandit, pour aller dire pour ta justice, si les zones sont supposées inondées, non, c'est pas ça, mais l'essentiel, gagne. Et zone ça en majorité qui est inondée par rapport avec les cyclones qui frappent le pays d'Haïti et nous un cyclone Tatou qui fait un pile de gars, un pile des autres. Mais nous avons tellement été dans le cadre et bandits qui tombent, la police qui frappe, que nous connaissons, c'est une information qui est vraiment positive dans la mesure où la population même nous besoin à l'aise pour nous cycler dans le pays. Nous, diaspora a besoin de tourner dans le pays parce que nous avons dit dans le cadre de tourner nous avons un pile de plein. Quelques de monde qui pensait est-ce que Bakay a campé yo ba la fonti fret, mais non, même si beaucoup de population dans quelques zones dans le département de l'Ouest là n'importe où presque nous e Bakay l'autre Jean Freddy, mais c'est pas forcément Freddy, on faisait ma campé. Mais avant que notre bilan est partiel au niveau des zones Léogane, en attendant nous entrer avec un tout payant commune Léogane qu'on est particulièrement touché par dernier intempérie selon autorité locale près de 20 monde. Il y a 20 personnes qui ont mouru, mais ils ont fait quoi? Ils ont parlé d'un état de plus de 6 000 familles sinistrées, il y a 8 000 écailles qui inondées, sans oublier têtes et bêtes qui disparaissent. L'hôpital, l'école, ils ont figuré parmi les institutions qui inondées, ça veut dire
Il plus passé 20 personnes qui arrivaient mourir au niveau de l'Ogana dans le cadre d'inondation, sans oublier qu'il y a 6 000 familles qui sinistrées, 8 000 cailles inondées. Ça veut dire que nous avons parlé de mouvement pour être adressé au bilan catastrophe sur l'inondation enregistrée dans la commune de l'Ogana, 3 juin écoulé. Responsable du mouvement qualifié, il est dit dans l'inondation, il fait appel à son sens avec une intervention urgente de la part de l'État central. Qui estime que la population en état d'urgence, Jean Chenet Ulysse, qui plaidait en faveur d'une réponse humanitaire rapide, bien planifiée pour éviter flambée épidémie choléra qui déjà présentée dans la commune. Il y a une autre bande où Bioa qui annonçait Bioa qui inondait nous-mêmes tous, nous perdit documents importants, des kits de premiers soins stockés pour distribuer. Par mon population, nous, Léonel, bon côté pas en paix, mon Léogane, il a demandé, faut que vous pressiez pour rapide, 8000 cailles inondées. Ça veut dire, vous comprenez, en paix, maison perdue, et sans oublier, en paix, bête, disparaître. Il y a 20 personnes qui arrivent à mourir dans le cadre, et dans le niveau Léogane, dans le cadre, inondation qui passait samedi 3 juin 2023, Léonel. Jusqu'à maintenant, monsieur, jusqu'à maintenant, est-ce que la pluie a toujours tombé? Et nous-mêmes qui souterrain, comment nous est-ce là? Pourquoi nous y a là? Bon, beaucoup de femmes disent, nous avons dit, dans le cadre de l'évolution cyclone, non? Eh bien, nous sommes là, hier, avant-hier et samedi, la pluie a finalement, dans fin de journée, nous avons arrivé à camper, mais levé jeudi et dimanche matin, nous avons eu un petit calme apparent, mais pour dimanche après-midi, la pluie a commencé à tomber dans quelques zones. Dans quelques zones dans l'aire métropolitaine. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que le bilan qui est son bilan provisoire, c'est pour que le bilan passe là ça, pas oublier de gagner. Il y a un premier bilan qui a fait état de 15 morts. Et sur le pays, il y a un autre bilan là qui est parlé de, même celle de Léogane, qui a fait parler d'environ plus de 20 morts. Ça veut dire jusqu'à présent, c'est bilan provisoire. Donc, par rapport avec le bilan présenté à la DIMI, t'as si c'est plus de monde qui mourit, t'as si c'est plusieurs dizaines de morts, mais n'a pas suivi. Mais nous, là, département qui peut toucher au Dimi, c'est département nord, département l'ouest qui est plus de monde, sans oublier département sud-est, département nord. Donc, département ça a déjà prodigué des morts qui est cyclone, même lit à fait. Mais jusqu'à présent, le pays a toujours en bas de l'eau, qui rajo et canal qui pas jamais curé, autorité municipale jusqu'à présent qui était inactive, pas aucune action qui est encore faite. Et nous, protection civile qui commence là à prodiguer des bilans provisoires. Donc, jusqu'à date, nous avons suivi. Mais il y a un cyclone qui toujours, il y a un ampli qui toujours tombé sur le pays d'Haïti. Plusieurs autres villes déjà étaient en bas de l'eau. Dis-moi. Voilà. Et puis, mesdames et messieurs, en nous touchant ça, c'est très important, extrêmement important. Et nous connaissons que oui, Laurent Lamotte vient de sanction. Mais attention, mesdames et messieurs. Eh bien, selon notre cap sorti là, c'est pas simplement Laurent Lamotte qui va jouer une sanction. Nous, ouais, comme si, oui, le pays Canada a commencé avec sanction, yo. Il y a un pile monde qui joue une sanction, mais là, les États-Unis, timidement, pas de quoi entrer dans la bataille là. Yo, tout d'abord, commence avec Laurent Lamotte, mais Salomon, d'après ça, nous comprenons là, c'est pas simplement Laurent Lamotte, mesdames, messieurs, qui va jouer une sanction, bon côté les États-Unis. Et ça, c'est extrêmement important qu'on parle de ça. Bon. Et Jimmy, quoi pour une photo me voyez bah où et photo ça a coûté l'État ici 5 millions de dollars et reste ça. Je te pétrifie avec. Quoi comment on a dit si les a volé comment ils ont volé. Mais effectivement vrai nous capable dire Jimmy après États-Unis nous capable dire après Laurent Lamotte il y a une autre personnalité haïtienne qui va ambassadeur très bientôt. Après Laurent Lamotte il y a une autre personnalité qui va bientôt sanctionner par les États-Unis. Selon un journaliste haïtien, James Pierre, qui évolue aux États-Unis, qui confirme ça dans un poste. Le journaliste qui travaille pour plusieurs médias américains souligne que, après Laurent Lamotte, il y a une autre personnalité qui pourrait être sanctionnée par le département d'État américain, selon Source Lyon. Personnalité ça pourrait être sanctionnée pour avoir entretenu la violence et la corruption dans le pays. Même, il y a même parlé tout. Et pas même, il n'y a pas même baillon, dans l'opinion. Présence Laurent Lamotte dans la liste sanctionnée fait penser également à l'autre ancien dirigeant haïtien. Dans le cas de Laurent Lamotte, le département d'État américain souligne qu'il détourne plusieurs millions de dollars programmés dans le Corps de Caraïbes. Une attisation, nous connaissons principalement
lui-même qui rejeté. Ça veut dire que Léonel, nous, il a parlé là de plusieurs autres gros têtes là encore qui parlent sanctionner pour que ce corps peut être caribéen. Premièrement, il a sanctionné parce que il a mené violence en un pays. Il a pensé eux-mêmes qui alimentent les gangs en un pays. Mais il y a l'autre bon, tant seulement et qui sont violents, mais qui sont corruption. Après Laurent Salvador la mort, mais en plus, on a posé la question comme la mort avec Matélite et Mettadio ensemble, sans oublier Wilson Lalo, le fameux Wilson Lalo. Le fameux Wilson Lalo, c'est un homme Jimmy qui t'a aidé Matélite pour penser comment pour manger comme Pétro Caribéen. Eh bien, nous avons parlé Wilson Lalo, nous connecter et ministre et finance à cette époque. Où sont là l'eau qui c'est un nègre et nous capable d'où et c'est matin il fait confiance en pile sans oublier nous capable dire là encore que en pile l'autre nègre qui va être sanctionné. Mais les dames gardent Jimmy et voit une photo baou l'eau poste des photos ça les gens qui ont une réaction gardez comment pour les petits là réaction avec petit à l'eau ça coûte déjà 5 millions de dollars américains. Ça veut dire où est comment les gens volent pour les gars petits rex. On building qui casse Jimmy. Ça va pour des mouvements là. Son mec qui casse, son building qui casse, qui touche un master, n'est pas petit Jimmy. L'écoute de l'État, 5 millions de dollars américains Jimmy. Et faut faire une photo à bien. Faut faire une photo à bien. Une photo, me dit, on building Rex qui t'es casse 12 janvier, qui touche un master, n'est pas petit et carrément dans le bilan, n'est pas mettre combien de dépenses, n'est pas petit Caribe. Ça figure là-dedans. Et sans oublier, vous avez regardé ça peut-être qu'à voir ou pas. On regarde la Cafou. La Cafou, gon 4 protons. Les gens mettent campé, ils incluent le campé de Caribéen. Marché, fondamental, il n'est pas fini. Il n'est pas fini, les gens mangent comme là. Ils ont pile l'autre tout, les gens mangent comme là. Konya, faut Matéli, Vinbaï, ensemble des ministres qui sont ensemble avec eux, ministre finance, ministre. Et ensemble des ministres qui étaient là, qui ont débloqué COP, ils ont condamné aujourd'hui là par rapport avec COP Petro Caribéen. Quand vous m'entendez, par exemple, l'autre qui va être sanctionné, après, c'est où sont là? Wilson Lalo, Nathan et le fameux. Privé également, privé fini avec. Non, oui. Privé tigre, ça devient bien. Privé tigre, ça le gargote. Mais vraiment, comme la Jimmy, comment ça prévale? Il commence à prévale en parlant de l'équipe belle, comme c'est Yassin Améo. Ça, ben, prévale pas tellement mal comme là. Prévale, c'est comme c'est Yassin Améo. Mais l'autre, Duvier Pierre-Louis, qui était ministre sous prévale, qui était premier ministre sous prévale, Duvier Pierre-Louis. L'opinion équipe matérielle Jimmy. Parce équipe matérielle, 70% de l'équipe comme là, c'est un manger. Et Walvin Evans Paul, pour le finir de Tigres là, pour l'hiver même pour le finir de faire en net. Et Walvin Jovenel Moïse, tu vas en difficulté pour jouer dans l'argent. Ça veut dire que pour le problème, Jimmy, Walvin, les Dimitri Fob, pas qu'il n'y ait pas de coup de Jovenel Moïse, qui va guider tout le monde dans le compte de Kaibé. L'opinion est André Michel, à travers Patrick Noramé, Michel Vina, non bien pas. C'est beauté l'argent, c'est qu'on s'en va voler. On est fait 5 ans bien pas. Ou pas même moi, on est qui vole. On est fait 5 ans, on est qui fait 1 an, qui t'a travaillé pour Nenel Kassi, André Michel, on est fait un examen. C'est tellement beauté l'argent, Patrick Noramé. Et nous, et c'est la deuxième qui a été arrêté, tellement il s'est volé l'argent, par André Michel, par Nenel Kassi. Ça veut dire, l'opre on est Dimitri Vobio, l'opre la famille Vob, pour quoi le Xayo, épinglé. Les bâches à Bob, ils ont tellement fait comme non, question route, ils ont pas fini, Jimmy. Je pense que si il y a pas de nègre dans le compétent qui arrive ça, mon cher, pour aller dire à ma courelle, tellement nègre ici, t'es gagoté 4 milliards de dollars. Oui, mais Salomon, vous autres, on faut tirer tes sous privé également. Tout le monde connaît l'implication Matéli, mais c'est pas simplement Matéli, mesdames, il faut ne pas oublier ça. Mais privé, l'opre privé. Entre autres, comme soi-disant ancien président provisoire, qui n'a pas possédé rien qui était en prison, vinil, je veux dire, la privé et fait partie des gens qui ont plus comme dans le pays. Côté comme ça sorti. Côté comme ça sorti. Quel soit dans le Petro Caribe, quel soit dans le CRH, peu importe côté comme la sorti, les gens qui ont pris sanction,
eh bien, parce que M. Sadoué là-dedans. Et puis, il y a là, une hypocrisie qui a fait là, parce que nous, que les États-Unis, après prennent sanction contre Mounzaïo, avant de prendre sanction, quand il y a un appel qui fait, yo y au courant, yo y a une sanction contre yo pour être capable de quitter le pays. Si yo gen vie kay yo kapab gata kouye al van yo. Si des autres ça ka fait là aux États-Unis. Même Jean Loya yo soit dis y a dénoncé corruption, eh bien yo même tout. Li pas normal pour pral prendre sanction contre yon moun. Mba konn si c'est la loi pa yo a qui permet ça. Yo gata rele moun nan 1 semaine, n'importe 2 semaines en avant, n'importe 2 3 semaines en avant, yo gata rele moun nan entourage moun nan ou pas dit avocat si pour gata lâcher ticket, si pour gata l'acheter kay dans l'autre pays. Pour capable gata courir aux États-Unis, mesdames et messieurs, ça sont des ordres. Mais monsieur, parce qu'on est là, faut que nous tenions, faut que peuple haïtien tenne, attendions là, faut que nous attendions à bras ouverts avec mouvement bracaléen. Étant donné que yo pa kal Saint-Domingue, puisque Saint-Domingue y a une sanction tout, puisque là nous que Jamaïque, et ça sont notre pays frère, pays Jamaïque sont notre pays côté que investi en pile. Mais l'essentiel, faut que nous parions pour Mounzaïo qui fait une crise qu'est l'État. Oui monsieur. Et dis-moi, nous capables, gens qui m'ont toujours dit, et la jeune au Caraïbes, ils dépensaient sous trois présidences. Premier président, c'est président Préval. Deuxième, c'est président Martelly. Troisième, c'est président Privert. Et tous les trois présidents, ça y est, à travers les trois anciens présidents, il y a environ 6 à 7 premiers ministres qui gaspillent l'argent. Par exemple, Gary Conny. Bon, m'bralez sous Préval. Gariconi, c'était Martelly. Ma, par exemple, Madame Duvier Pierre-Louis, et Premier ministre sous Préval, et Amérique pas dans rien pour lui. N'apprend Gariconi. Je ne vais pas dire rien. N'apprend Jean-Marc Jean-Marc.